piste magique. La piste magique, c'est renversant. Bien, bonjour à tous, c'est Clément. Je vais vous présenter aujourd'hui la piste magique à Ischgl. C'est une piste incroyable, une des plus belles pistes du globe terrestre, je pense. On en parle depuis des années, mais aujourd'hui, c'est vraiment du live. Voilà, on part très tranquillement, mais rassurez-vous, on prend tout de suite de la vitesse. La premier virage, le deuxième virage, là, on rase les bords pour le fun. Et on en arrive déjà au Julien VIH Prong. Voilà, attention. Le VIH Julien Sprung, le voici. Bon, j'ai à peine décollé les skis, mais à l'époque, Julien, c'était casque brisé, monstre envolé, quelques jours d'hôpital à Landeck. Enfin, des choses qui arrivent. Et on, pour tout ça, pour vous dire qu'on en arrive à la Bigoud Zone. La Bigoud Zone, c'est un endroit où la vitesse devient de plus en plus élevée. On rêve de ne pas trop croiser de skieurs. Ouh là là, qu'est-ce que je vois? Quelques petits skieurs, comment va maîtriser le Bigoud? Oui, un petit slalom entre les quilles, c'est parfait. C'est parfait, Bigoud. Et nous sommes déjà dans la Jean-Claude Berbera courbe, il faut la tenir, cette courbe, il faut la tenir. Et magique. Ah, Jean-Claude a maîtrisé la courbe. Il se dirige tout droit vers la cassure à Jean-Claude Berbera. Là aussi, c'est un passage, je dirais, délicat. Voilà cette cassure. On a vu quelques snowboarders à droite, bien sûr, à l'arrête, comme toujours. Et on en arrive sur une petite traverse. La voilà. Une petite traverse très sympathique, mais pour aborder un véritable rec, le rec du Gousse. Alors, c'est très raide, et là le compteur kilométrique s'affole. Je peux vous dire, ça c'est au-dessus du 100 km/h pour arriver sur une nouvelle petite traverse, et bientôt déjà le temps intermédiaire, attention, top 1:54.19, meilleur temps intermédiaire pour Gousse, et on continue, on en arrive, ouf, un petit saut d'abord. Une belle traverse, alors là, c'est facilement du 80 km/h, le paysage défile et on arrive au virage du Domscheuer, le Dom 180 degrés, attention Domscheuer, oulala, Dom, oh, on a eu chaud, et déjà, là, c'est une grande plongée sur Ischgl, un chousse, alors bien sûr, on se repose un peu les jambes, avant de reprendre une position de chousse, quelques virages, voilà, et c'est parti, et là aussi, c'est 80, 90, 100, 110, etc. Tout ça, on a coupé un bout, mais pour arriver au chousse final, le chousse à Clément, il y a d'abord un petit skieur noir, là, avec un casque vert, on va vite légumer, voilà, c'est fait, ça, c'est fait. Regardez ce chousse final, il est fantastique, on voit au fond l'air d'arriver avec le châssis où Bastien et Loïc sont déjà là depuis 9h ce matin, car lorsqu'il y a des bonnes conditions, ces deux ne skient jamais, et on est vite en bas dans ce chousse final, regardez cette aire d'arrivée qui s'approche, je suis déjà dans l'aire d'arrivée, ouh, un spectateur à court à droite, il a peut-être eu peur de mon arrivée, alors merci de votre attention sur cette belle piste à Ischgl, la piste magique.